Last year we went to the eye. I remember you smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. I can still see you walk down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déco de mon salon. C'est un moment que je vous avais dit que je voulais changer un petit peu l'ambiance, donc ça va être vraiment focus sur la déco, pas les meubles, etc. Sauf mes chaises qu'on a décidé de changer. Je vais aussi retirer les décos d'Halloween avant de mettre celles de Noël, voilà, histoire de passer un petit moment entre les deux, neutre, sans déco. Et ben c'est parti, on y va. J'ai commandé mes chaises sur le site Maison du Monde. Je devais les recevoir en 15 jours et finalement je les ai reçues super vite. Ce sont les chaises Morissette, donc j'en ai déjà une dans mon entrée qui est bleue. Là j'ai choisi les beiges, j'ai voulu un modèle assez classique pour que voilà, ça me suive dans le temps. J'ai commencé le montage avec vous et après j'avais plus de batterie sur ma caméra donc elle a coupé. Mais je vous montre le modèle un petit peu plus loin. Bon, j'en ai monté deux et après mon chéri est venu m'aider et il en a monté quatre. J'ai donné deux de mes chaises, donc je vais pouvoir retirer celle-là et mettre les nouvelles. Donc voilà le modèle vers lequel on s'est tourné. Je voulais vraiment des chaises claires. Parce que je trouve que vraiment au niveau de la pièce ça l'éclaircit vachement et ça change beaucoup le style des chaises scandinaves noires que j'avais et celles en rotin. Donc j'aimais aussi beaucoup celles en velours ou en moumoute, mais le problème c'est que je veux vraiment qu'elles me suivent dans le temps et les tendances ça passe vite, donc j'ai préféré prendre en classique tissu. Il est temps de ranger toutes les décorations d'Halloween, donc je prends un bac en plastique et je mets tout dedans. J'aime beaucoup ma décoration d'automne, mais j'avoue que de retrouver ma maison épurée, ça fait du bien. Je n'oublie pas aussi de retirer les piles de mes citrouilles comme ça lumineuses parce qu'il m'est arrivé une année de ne pas les enlever et vous savez, au bout d'un an, j'ai retrouvé certaines piles fondues à l'intérieur et ça avait clairement flingué tout le système. Donc là, je retire pas les toutes petites piles plates, mais les piles rondes, basiques, ça je les retire. Je profite de ce petit moment de rangement pour vous inviter à me suivre sur Instagram. Je vous mets ma page juste là. Et aussi, si vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous et à me laisser un petit like, ce qui m'aide à être mieux référencée. Et vos abonnements m'aideront aussi à pouvoir créer plus de contenu, etc. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Ça va faire presque un an que j'ai commencé l'aventure et j'avoue que j'aurais jamais cru que, voilà, que j'ai des abonnés, que ça marche, etc. Je vous remercie de tout mon cœur. Et pour les nouveaux, sachez que je poste tous les dimanches à 10h, donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous pouvez voir, entre temps j'ai été chercher du papier journal pour pouvoir emballer mes décos parce que j'avais trop peur qu'elles se cassent. Vu que tout est fragile, je me suis dit emballe pour éviter la casse et même que les choses se rayent. Et ne faites pas attention, mais sur le mur derrière moi, il y avait ma tête de lit parce que je la vendais et j'avais quelqu'un qui venait la chercher, donc je pouvais pas la stocker ailleurs. Day in bed.
il me reste plus qu'à enlever la déco de l'entrée et j'en ai enfin terminé. Comme vous pouvez le constater, ma boîte n'est même plus assez grande, donc j'ai complété avec un cabas. J'ai terminé de retirer la déco d'automne. Franchement, ça fait du bien de retrouver sa maison un peu épurée et tout. Vous avez attendu, j'ai reçu cette semaine tous mes colis Maison du Monde. On va découvrir ça ensemble et j'ai trop hâte. Je vous avoue que j'ai tenu au moins 5 jours sans ouvrir mes colis. Franchement, c'était dur, mais j'ai tenu pour vous. Je me suis un peu lâchée entre mes chaises et tout ça. Mais je sais pas si vous êtes abonné à la newsletter Maison du Monde, mais en fait, si on activait la carte sur le téléphone, on avait un code promo de moins 20%. Et c'est super rare d'avoir moins 20% sur tout le magasin Maison du Monde, donc j'en ai grave profité. J'ai honte, c'est une toile, je la trouve canon. Franchement, c'est pile dans l'esprit que je veux pour mon salon. Je sais pas encore où je vais mettre les éléments, les différents éléments que j'ai achetés. C'est pour ça qu'on fait ça ensemble. Mais franchement, je la trouve trop canon. Donc j'ai payé 62,99€, moins 20%. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Organique comme ça, dans ce sens là, il a les rebords un peu dorés, mais dorés un peu brossés, vous savez. C'est pas un doré brillant, cheap. Et là, c'est deux tableaux comme ça. Donc, ils m'ont coûté 35€, moins 20%. Il y en a deux. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais mettre le grand derrière ou celui-là, cette taille-là, derrière, parce que le grand, je ne sais même pas s'il va rentrer sous les escaliers. Niveau emballage, la Maison du Monde, bien. Je dis ça et celui-là il est arrivé cassé évidemment. Bah, je vais pas le déballer, je vais le laisser dans l'emballage et je vous montre quand même. C'était pareil, c'est un miroir organique. Donc en plus petit, celui-là il était à 20€, donc moins 20%. Donc j'espère bien qu'ils vont me l'échanger au même prix parce que sinon je suis dégoûtée. J'ai pris une lampe comme ça, hop, avec un petit abat-jour beige. Celle-ci, je l'ai payée 45€, donc toujours moins 20%. Ensuite, j'ai pris une petite bougie comme ça. Avec les rebords aussi un peu dorés, en forme organique aussi. Alors celle-là, je l'ai payée 8,99€, moins 20%. Elle est petite, hein. Voilà, elle fait une dizaine de centimètres. Mais je la trouvais franchement trop jolie. Bon, elle a une petite odeur, mais elle sent pas vraiment énormément. Ça, je l'ai acheté en magasin, donc j'ai pas eu le droit au moins 20% dessus. C'est un petit cadre doré comme ça. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que on le... Alors celui-là, je l'ai payé 10€. Pour finir, chez BM, j'ai acheté des fausses fleurs comme ça. Je les trouvais plutôt réussies. Je les ai pas payées cher, mais je pourrais plus vous dire le prix. Je crois que c'était 7,99€ et 6,99€, un truc comme ça. Donc j'ai pris un bouquet d'hortensia blanc. Et des feuilles d'eucalyptus. Changer un petit peu de mes plantes, celle-là notamment. Voilà, je me suis un peu lassée là, des fleurs séchées comme ça. Donc je préfère mettre des fleurs blanches pour donner un petit côté un peu plus chic à la déco. Vous voyez, bah, on va pouvoir installer tout ça ensemble, même si je suis dégoûtée pour le miroir là, tant pis.
Bon, bah je commence par retirer ma suspension comme ça pour casser un peu l'effet bohème de mon salon. C'est vraiment plus l'esprit que je veux, donc vous allez voir, ça va changer quand même radicalement avec les nouvelles pièces. Mais j'aime beaucoup. Malgré que j'aimais beaucoup aussi avant, mais je me suis lassée, enfin voilà, au fil des années, on a un peu envie de changement, de renouveau, etc. Mais je garde quand même mes anciennes pièces, voilà, si un jour je veux revenir sur le côté un peu plus bohème. Et comme d'hab, je fais plein d'essais pour essayer de trouver le meilleur endroit, le meilleur emplacement pour chaque pièce. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préféré. Peut-être que voilà, à la fin, j'ai fait des choix et que vous préfériez autre chose. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais beaucoup moins surcharger de la déco que j'avais, c'est volontaire. Je pense avoir trouvé le bon emplacement, j'aime beaucoup comme ça. Au début, j'avais pas enlevé le plastique sur la lampe parce que je me suis tâtée à la ronde, mais finalement, j'aime beaucoup. Donc je l'ai gardé et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous fais un grand tour de mon salon. Je remets mes petites statuettes que j'avais également eues chez Maison du Monde à la place de mes citrouilles. Et finalement, le petit bougeoir en doré, je l'ai enlevé. Je trouve que ça suffisait comme ça. Je recherche vraiment ce petit côté un peu minimaliste, même si je ne suis absolument pas minimaliste. Hein. Mais c'est vraiment la petite touche que je voulais donner à la maison. En contre-jour à fond, donc je vous montre comme ça. Je vais retirer ma tête de buffle qui est juste là, et c'est là que je pense mettre le grand miroir. Alors voilà ce que ça donne. J'essaye de mettre le mieux possible, ça va être tout foncé. Je me suis attaquée à mes petites fleurs dénichées chez BM que j'ai remis à la place des fleurs séchées dans un vase transparent. D'ailleurs, c'est pas facile là, cette tige a tourné dans tous les sens pour bien faire tenir le bouquet, mais bon, je trouve que ça choque pas comme ça, et peut-être que j'achèterai plutôt un plateau blanc. Je vais décorer ce meuble. Je vous avais montré dans ma précédente vidéo que j'avais retiré tous les bouquins que j'avais ici pour mettre dans ma bibliothèque en haut. Dans ce sac, c'est ma déco que j'ai déjà à la maison, donc que j'avais installée juste avant d'installer ma déco d'automne. Donc ce sont des bougies de différentes formes que j'avais eues chez Ikea. Et là, je bouge un petit peu tous les éléments. Bon, vous allez voir, à la fin, finalement, je vais pas laisser comme je vais vous montrer parce que j'étais pas du tout satisfaite de la composition que j'avais faite. Bon, là ça sera pas définitif, mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Enfin, de toute façon, je vais faire un tour à la fin, donc je vous montrerai s'il y a des changements. Et comme je vous dis, il faut toujours essayer de jouer avec les textures, les matières, les hauteurs, voilà, pour que ce soit assez joli en termes de déco. Bon, là je suis pas convaincue à 100%, mais pour l'instant je laisse ça comme ça et puis on verra. Je passe ensuite à la vitrine. En fait, il me manque quelques petits éléments de déco, donc je pense que dans les semaines à venir, je vais continuer de dénicher des petits, voilà, des petits objets à poser, etc. Mais je voulais un peu sortir des bougeoirs, des bougies, des vases, et en fait, c'est pas facile de trouver autre chose de petite déco à poser. Bon, je vous montre ce que ça donne à la lumière du jour. Franchement, je suis trop contente du résultat. Ça change, c'est épuré. Franchement, c'est assez minimaliste. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc au niveau de la déco, là, du meuble, j'ai tout changé. Finalement, de ce que je vous avais montré, parce que ça me plaisait pas. Là, j'ai mis un cadre, c'est un cadre lumineux. Voilà, donc ça... C'est juste que ce matin j'ai allumé ma bougie, sinon je serais là. Hop, voilà ce que ça donne. On a changé le cadre au niveau de la descente des escaliers. On a mis la grande toile comme ça. Donc c'est bien parce qu'on a beaucoup d'hauteur sous plafond et ça habille. Au niveau de la table avec les nouvelles chaises, ça éclaircit vachement la pièce. Donc là-bas j'ai mis le miroir organique.
Voilà, j'ai réinstallé ma pièce pour le boulot. Hop. On me dirait ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'ai changé le fond de la télé. Ça, c'est mon petit kiff. Donc, je voudrais changer le luminaire, là, parce que je trouve qu'il va plus du tout dans l'univers. Ensuite, dans les cadres, là, je vais mettre une affiche, je pense. Et celle-là, je pense qu'on va boucher le trou. Et qu'ici, en plein milieu, on va mettre le petit cadre organique qui a été cassé de chez Maison du Monde. Je pense qu'on fera un essai. De toute façon, je vous montrerai toute l'avancée. Et là, ce que je voudrais pour le week-end, du coup, parce que la semaine, je ne peux pas, c'est mettre un tapis beige et une table basse en bois. Voilà, je pense que ça va faire hyper cosy. Et je voudrais aussi changer mes rideaux. Bon, là, ils sont comme ça parce que les petits, sinon, ils tirent tout le temps dessus. Là, c'est pareil. J'ai les mêmes de ce côté, mais je voudrais mettre autre chose. Et au niveau du tapis, j'en avais trouvé un trop beau, un super grand et tout chez Saint-Maclou. En plus, ils étaient en promo à moins 30% en ce moment. Sauf que quand j'ai appelé, il était sur commande et j'ai appelé pour savoir le délai. Le gars, il m'a sorti mi-février, donc autant vous dire que c'est mort, j'attends pas autant. Donc je vais mettre en recherche cette semaine. Et pareil, mon luminaire, je vais mettre en recherche. Voilà, il me restera quelques petites décos quand même à acheter. Et tous mes fonds de télé, comme ça, je les trouve sur Pinterest. Donc moi, j'ai la télé, je vous l'ai déjà dit, The Frame de chez Samsung, la télé cadre. Et soit je les trouve sur Pinterest, soit je les achète sur Etsy. Je vous fais un petit update quelques jours après avoir filmé ma vidéo de déco, de changement de déco, pour vous montrer mon tapis. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous le montrer de près. Il est trop beau, franchement, il est canon. Je pense que l'entretien, il va être assez simple parce que les poils ne sont pas trop longs. Mais voilà, c'est le modèle Native de chez Saint-Maclou. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pris en 160 par 230. Voilà, donc il y avait encore en 2 mètres par 2,90. En fait, j'ai eu trop de chance. C'est que hier, j'ai été faire des petits achats, etc. Enfin bref, j'étais dans ma zone commerciale, quoi. Et il y a un Saint-Maclou et je me suis dit, bon bah vas-y, je vais quand même regarder le stock sur le site. Et il y en avait 3 en stock. Le truc trop improbable. Et en fait, du coup, je m'y suis arrêtée direct. J'ai été le chercher et le gars, il m'a dit, mais heureusement que vous êtes venu. Parce que, voilà, ils vont pas faire long feu. Ça, c'est une commande qu'on attendait même plus, que ça faisait très longtemps qu'on avait commandé. Donc, vous êtes vraiment venu au bon moment. Et sinon, ils faisaient un restock quand même fin décembre. Donc, c'était toujours mieux que mi-février. Trop contente, surtout qu'en ce moment, il y avait moins 30% chez Saint-Maclou sur tous les tapis. Quand ma vidéo sortira dimanche, peut-être qu'il y aura encore, remarqué. Et en fait, vous pouvez passer commande, même si avec le prix, avec les moins 30%, même s'ils ne l'ont pas en stock. Voilà, donc c'est bon à savoir. Moi, du coup, celui-là, je l'ai payé 111€. Et je vais mettre ma petite table d'activité parce que la table basse que j'ai trouvée, enfin, on est aux alentours du 10 novembre, donc je vais attendre le Black Friday, je vais attendre 15 jours, voir s'il la met un petit peu en promo, parce que je crois qu'elle est entre 200 et 300€, il me semble. Donc si je peux gratter un petit peu, bah écoutez, ça m'arrange, donc je vais attendre un petit peu. Mais j'ai tellement hâte. Bah ça fait un peu chelou. Moi je vous ai dit, parce qu'en plus elle est haute celle-là, ça fait vraiment pas table basse. Moi je vous ai dit que je voulais une table vraiment basse et un peu organique, voilà, en bois. Je pense que ça ira bien pour le style. Non, je suis trop contente, franchement. Sur ces images de mon petit salon cosy, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bye!